Deux brocantes aujourd'hui, donc je suis allé premièrement à Choisy-en-Brie, mais les personnes avaient déballé, il pleuvait à moitié, donc je suis allé à Vaudoin-en-Brie, où j'ai acheté deux jeux Xbox. Half-Life 2, la copie promotionnelle, donc ce disque promo, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspondait. Si ce n'est qu'il ne faut pas le revendre. Mais bon, j'ai quand même acheté 2 euros. Moi, je l'ai pris parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup fait sur PC, comme le premier Half-Life. Et j'en ai pris un autre exclusivement parce que c'était un exclusif. C'est Brute Force. Brute Force. Donc, je sais même pas ce que c'est un beat'em all, quoi. Je sais pas, la Confédération sait que vous êtes le meilleur dans votre domaine, merci. C'est pourquoi vous et vos trois coéquipiers avez été choisis pour former un escadron d'élite. Bienvenue dans la 23e unité des forces spéciales. Nom de code, Brute Force. Ouais, bon, c'est un genre de Fighting Force. Je sais pas, Brute Force. 2003. Bon, c'est passionnant. Je sais pas trop quoi en penser. C'est sûrement une grosse daube. Mais les disques étaient en très bon état. Half-Life 2 n'a jamais dû être utilisé. Mais bon, il n'y a pas de notice. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de notice? Parce que c'est un disque promotionnel, je sais pas. Mais il y a juste un petit flyer, là. Le flyer de l'épilepsie. Bon, c'est dommage, c'est pas grave, j'ai pas besoin de notice pour y jouer, hein. De toute façon, c'est le genre de jeu, le premier niveau c'est un tutoriel. Que moi j'ai joué au clavier. Et ensuite j'ai acheté, au début c'était 20 euros, je l'ai fait descendre à 10 parce qu'il manquait un câble un câble d'alim. Il manquait le câble de... Merde, comment ça s'appelle? La péritel quoi. Et une des deux manettes, le joystick analogique était cassé, donc vous avez reconnu bien sûr. Qui dit joystick cassé dit forcément Super Pad 64, Super Pad Plus 64 ou 64 Plus, I don't know. Donc il y avait une manette comme ça, générique, avec un joystick cassé qui bouge plus du tout. Bon, ça se répare sûrement. On avait une manette officielle. Donc ça c'est cool. Une manette officielle. Ah putain. Avec un joystick, j'ai pas trop. Bon, ça va. Qui a un peu de jeu quand même. Hein. Il penche un peu sur la droite. Hein. Oula. Il penche beaucoup sur la droite même. Bon, à tester. Et hop, le. Oula. Bon, les piles ça va, c'est le... D'une seule main, c'est pas évident. C'est le Rumble Pack. Donc ça, c'est cool. Les piles n'ont pas coulé, donc c'est cool que ça coule pas. Voilà. Donc c'est pour la vibration. Et la bécane, qui est ici. Une belle 64 toute belle avec le bloc d'alim, le capuchon là, pour l'expansion qui n'a pas été enlevé, qui n'a pas été voilà. Donc elle est bien, elle est en meilleur état que celle que j'ai à l'heure actuelle où il n'y a plus de capuchon et ça c'est enlevé. Enfin, bon. C'est dégueulasse, tout le monde s'en fout. Bref, à tester. Il n'y avait pas de jeu avec. Enfin, si, il m'a dit que les jeux et la péritel étaient chez lui, mais bon, je vais pas prendre les numéros de tout le département pour jamais avoir de réponse. Donc voilà la récolte matinale.